Oui, billets un enfant pour l'hiver, évidemment, on le sait, hein, ça coûte très cher. Donc, à chaque année, la Fondation de l'enfance cherbourgoise à Sherbrooke vient en aide aux familles défavorisées. Puis il y a d'autres organismes qui le font aussi au Québec. Allons à Sherbrooke où Janie, donc des jeunes ont pu participer à une séance de magasinage qui pourra avoir beaucoup de valeur. Oui, vraiment, là, beaucoup de valeur. Et ce sont d'ailleurs 130 enfants ce matin qui ont pris la route vers le magasin CPC de Sherbrooke où je me trouve présentement. Donc depuis 16 ans maintenant, là, la Fondation de l'enfance sherbrookoise a pour mission d'habiller des enfants issus de milieux défavorisés pour qu'ils aient vraiment tout ce qu'il faut pour être au chaud cet hiver. Donc grâce à des partenaires, oui, le magasin CPC, mais également l'Éconosport, ça permet aux enfants de choisir eux-mêmes le manteau qu'ils veulent, le pantalon de neige, tuque, foulard, et bottes également. Vous allez pouvoir l'entendre, c'est vraiment un très grand moment pour eux. Je suis en train de mettre un manteau d'hiver. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Oui. Et pourquoi tu as choisi celui-là? Parce qu'il était rose et j'aime bien le rose. Est-ce que tu as hâte d'aller jouer à l'extérieur avec ton nouveau manteau? Oui. C'est ma couleur préférée, rouge. Parce que aussi... Et ça va avec mes lunettes. Est-ce que tu es content d'avoir un manteau qui va être chaud cet hiver? Oui! Évidemment, la journée n'est pas mémorable que pour les enfants, là. Oui, je vous dirais que les bénévoles crient un peu moins que notre dernier enfant que vous avez entendu, mais effectivement, ils sont une trentaine de bénévoles aujourd'hui qui accompagnaient les enfants pour faire leur choix de vêtements. Et pour eux aussi, c'est une très belle journée. Moi, je le fais, ça fait plusieurs années, puis ben, c'est le fun de donner tout simplement puis de passer du temps avec eux. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bien, c'est le fun parce que c'est qui met des sourires sur des visages pour des enfants qui en ont besoin. Et puis, juste les voir comme ça, ça fait ta journée. Michel, plusieurs de ces enfants sont issus de l'immigration. Ils vont passer leur tout premier hiver au Québec aujourd'hui. Aujourd'hui, cette saison-ci. Et donc, vraiment, pour eux, là, c'est une belle façon aussi d'être comme tous leurs amis, c'est-à-dire simplement se soucier de jouer dans la neige et non pas d'avoir froid. Merci beaucoup.